Salut à tous, c'est Sherika, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Spyro. Donc, on est arrivé au niveau Niastic Nork, pardon, excuse-moi, putain, j'ai du mal. En plus, c'est mon ultime bafouille. Non, j'ai vraiment du mal à dire ce nom-là. Ils peuvent pas donner des noms comme les Pokémon, hein, c'est plus simple. Enfin, je suis une génération de dresseurs Pokémon, hein, donc là. Je te raconte ma life. Donc c'est pareil, c'est. Y a aucun dragon. Bon bah y a aucun dragon à retrouver. Donc là c'est vraiment que les diamants. Pourquoi pas. Le gna 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 là. Putain, enculé, va vite. Je t'aurai. Je t'ai eu, espèce d'enculé, voir. Oh là. Il me tire dessus, lui. Attends, j'arrive, je te rends ton compte. Je vais aller ramasser les coffres que j'ai vus tout à l'heure. Voilà. Là, je me sens mieux, là. Allez, maintenant. Quoi? Mais j'ai la clé. Ah, du coup tu recommences quoi. On est seulement au troisième tour. On va l'avoir, on l'aura un jour. Putain. Ah lui, je l'ai eu. Je sais vraiment pas comment faire. Ah, c'est peut-être là. Ok. Oh putain. Les zigzags de malade qui me font faire. Alors lui, il est un petit peu plus dangereux quand même. Là maintenant on peut refaire le tour tranquillou.
C'est de tout à l'heure. Voilà, c'est de tout à l'heure. Attends, du coup, la clé, elle est là. T'es sérieux? Tu te sautes? Encore plus loin, je te dirai, espèce de petite merde. Ah lui aussi faut courir après. Oh putain ouais. Non. Putain, il va plus vite que moi, espèce d'enfoiré. Je sais pas comment l'avoir. Bon, ça c'est fait. Petite pause. Oh non, faut recommencer. Là, il me reste 7 de vie. Ah, 7 vita. Donc, du coup, ça m'emmerde un petit peu.
Donc on est reparti pour essayer. Ah, c'est en mode vraiment 100% des réflexes. Hein. Surtout que moi, les réflexes, ça fait deux. Pas dans Rocket League, je commence à en avoir, mais je suis encore loin d'être grand champion. Hein. On va éviter de tomber ce coup-ci, j'ai pas envie de recommencer et recommencer. Bah voilà. Ah putain, bah je vais te passer ce moment, je vais te mettre une petite ellipse, je vais te mettre un petit saut dans le temps pour ceux qui connaissent pas le terme ellipse. Et on recommence. Là il accélère. Je l'aurai. Je vais l'avoir là. Là maintenant. Allez, c'est pareil, je vais l'avoir directement. Le problème que t'as pas de dragon, c'est que tu recommences à chaque fois. Ça, c'est un des inconvénients. Voilà. Donc on va aller jusque sa base. C'est que la caméra elle suit pas toujours assez vite, donc du coup c'est là que tu fais une erreur, enfin moi en tout cas c'est là que je fais des erreurs. Putain, va vite de cet enculé. On va faire 2, 3, 4 tours et normalement on devra l'avoir. Ah je l'avais. Prochain tour là. Ah comment je me suis loupé comme une grosse merde.
Et voilà. Donc là, faut le suivre. Je sais pas ce qu'il va me faire là. Et on recommence. Ah non, dis pas qu'on recommence tout. Ah, moi je cours plus après le bidule vert. Ah putain, ah, fait chier. Lui, c'est au troisième tour qu'on le rattrape. Et l'autre, c'est au deuxième tour. Troisième tour. Oh, putain, j'étais pas loin. C'est bon, c'est le prochain tour, on l'a eu. Voilà. Donc lui, maintenant, c'est pareil. On a 3 tours à faire. Enfin, je dis ça, mais si on peut l'avoir en premier, ça serait bien aussi. Enfin, il nous met une longueur d'avance, c'est vraiment le premier tour. C'est vraiment pour dire, tiens, galère, il se fait enfoirer. Là, le deuxième tour, c'est même pas la peine d'espérer. Il nous largue encore. J'ai failli me louper, ça arrive. C'est vrai. Mais le troisième tour, il attend qu'on lui crache ses flammes dessus, donc. Là, il sent rien. Là, c'est le troisième tour. Je le fais à fond. Je pourrais vraiment me balader comme ça. À fond, c'est vraiment pour bah, pour pas que vous attendez encore et encore et encore et encore et encore. Normalement, ça devrait aller. Là, je sais ce qu'il faut faire. Alors, comme je vous ai dit, là, il y a pas qu'on lui crache dans la gueule. Il me reste que 5 de vie. Enfin, 5 vies, pardon. Mais c'est quoi le délire? Ah, faut aller vite quoi.
on est reparti pour galérer. Allez, si j'arrive à le choper au deuxième temps, ça serait parfait. Ouais, j'ai gagné un tour. J'ai gagné un putain de tour. Bah allez, faut pas rêver. Deuxième tour. Hey, j'ai su le faire en deux tours. Non. Donc là, faut que je vais vite. Et je l'ai eu. Et je l'ai eu, ce fils de pute. Adieu, Gnork. Et je l'ai eu. Désolé d'avoir mis si longtemps. Vous avez un peu oublié. Et pour Nasty Gnork. Nasty Gnork, il est cuit. Et maintenant l'ordre règne de nouveau au royaume des dragons. Dans l'ensemble, j'ai encore des trésors à retrouver. Que feras-tu ensuite? On dit que le ciel n'a aucune limite. On a terminé le premier Spyro. Alors franchement, c'est GG quoi. Donc bah voilà, c'est terminé. J'ai fini. Non, franchement, c'était pas mal. C'est une putain de bonne aventure et c'est à faire. Si tu sais pas quoi jouer, il coûte pas extrêmement cher. Et franchement, c'est une aventure à faire. Tu peux jouer même si t'as des enfants, etc. Ou t'as des petits cousins, etc. Tu peux les faire jouer. Franchement, c'est un jeu, c'est kiffant. Tu prends pas trop la tête. Donc franchement, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à te faire cette vidéo et à te faire ce let's play. Par la suite, tu auras le 2 et tu auras le 3. De toute façon, ils sont déjà dans la PlayStation, j'ai juste à les faire. Donc, tu auras la suite bientôt. De toute façon, il va avoir plusieurs let's play à la fois. Hein, donc, enfin, si c'est pas déjà le cas. Non, franchement, tu vas voir le 2 là qui va suivre aussi. Maintenant, je te dis pas qu'il va être fait aussi vite que le premier, hein, mais franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc, je te remercie à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce premier Spyro. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.